Salut tout le monde, c'est Zelda Retro et on se retrouve aujourd'hui pour le point info mensuel du mois de février 2017 tout à fait. Nous sommes aujourd'hui le 31 au moment où je tourne, donc j'upload ça dès que j'aurai tourné. Donc vous l'aurez dans la soirée du 31, voilà tout simplement. Je pense que je vais faire ça pour les points info du mois à chaque fois, je vais les mettre soit le 1er, soit le 31. Enfin ça dépend quand je le tourne en fait, c'est ça. Ça dépendra de quand je le tourne. Donc nouveau point info, donc sans perdre de temps, nous allons passer à l'horaire des vidéos du mois de février, donc c'est un horaire assez classique, il n'y a pas de surprise, pas de gros bazar de ouf, sauf peut-être le 25, mais ça je vais y revenir. Donc, la semaine ici qui a déjà commencé, qui était donc la semaine du 30, eh bien on va continuer le planning normal, c'est-à-dire qu'on avait commencé Donkey Kong la semaine passée en Let's Discover, donc nouveau concept, mais j'en parlerai un peu plus tard pour le rappeler, et l'un des gaming sur Undertale, la run pacifiste. Donc ça va continuer tout simplement, voilà, ainsi mercredi et samedi j'enchaîne partie 3-4 d'Undertale, vendredi il y a la partie 4 de Tropical Freeze qui sort. Semaine du 6, une semaine classique, lundi, vendredi, Let's Discover, mercredi, samedi, un des gaming. Semaine du 13, pareil. Semaine du 20, pareil. Sauf que différence, c'est que le 22, c'est la partie 9 d'Undertale, la run pacifiste. Et il faut savoir que c'est la partie finale. Je le sais déjà parce que j'ai déjà tourné à l'avance. Contrairement à Donkey Kong Country Tropical Freeze, voilà, du coup, qui pourrait changer. Si jamais je finis le Discover par exemple à la partie 8, eh bien il est évident qu'il n'y aura pas de partie 9, partie 10, partie 11 qui existeront sur le jeu. Voilà, je pense que ça vous l'aviez compris. Et du coup, vu que j'ai pas tourné à l'avance Donkey Kong Country, eh bien ça se peut que l'horaire soit à changer ici. Mais normalement, de ce que j'ai déjà fait du jeu pour l'instant, il est assez long pour se faire en 12 parties minimum. Donc je pense que pour le mois de février, c'est bon, il ne devrait pas y avoir de changement. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, mercredi, fin de la Pacifist Run sur Undertale, du coup, je vais enchaîner avec un non-official gaming, hein, comme d'habitude. Mais là, samedi, du coup, vous aurez un point info spécial où vous aurez le choix du type de jeu que je montre en non-official gaming. C'est toujours des jeux non-officiels, d'où le nom du concept, mais vous aurez le choix entre plusieurs catégories, on va dire. Ça peut être par exemple un hack de Mario World, un Zelda amateur fait sous Solarus, un Zelda amateur fait pas sous Solarus, un jeu Flash, un hack d'un autre jeu, un épisode de Mario Bros. X, enfin voilà. Vous pourrez choisir entre ces différentes possibilités, mais ce sera le 25. Ne dites pas tout de suite dans les commentaires, je veux ça, vous devrez attendre le 25 pour que le sondage se mette en place et tout. Donc, calmez-vous. Du coup voilà, c'était pour dire ça. Du coup la semaine, même si c'est pas encore montré, c'est encore grisé là dans les trucs. Du coup pour la semaine d'après, donc où il y aura le début de mars, eh bien mercredi, samedi, normalement de ce que je prévois dans ma tête, il y aura rien. Pour laisser le temps au sondage de se faire, une fois qu'il sera fait, bah faudra que je prépare des épisodes. Donc c'est pour me laisser le temps de préparer des épisodes aussi cette semaine de blanc. Et du coup la semaine d'après, ce sera donc la semaine, attention là je m'avance. Alors, je sors de février, je m'avance, mais ce sera du coup dans la semaine du 6 mars, voilà, c'est ça. Eh bien, le 8 et le 11, vous aurez le début d'un nouvel non-official gaming sur d'un type que vous aurez choisi. Hein. Donc voilà, soit Mario Bros. X, soit Mario un hack, soit Zelda Solarus, soit un autre Zelda, soit un jeu Flash, soit un hack d'un autre jeu, il n'y a pas que Mario Zelda, évidemment, jeu amateur, il y a d'autres choses. Donc voilà. Vous verrez bien, hein. Et suivant ce que vous aurez choisi comme catégorie, ce sera à moi du coup de choisir dans la liste de ce qu'il y a à disposition, de faire un petit bazar, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, ça c'est pour le 25 ce qui va se passer. Le 26 c'est le défi du mois, j'ai dit dans le défi précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vais le dire ici, que les défis du mois, maintenant j'allais les faire toujours le dernier dimanche du mois, parce que dimanche, il n'y a rien de prévu dans l'heure des vidéos.
Et en plus, au moins, vu que c'est le dernier dimanche, je suis sûr de ne pas tomber avec le 28 ou 29 sur le même jour où il y aura une autre vidéo normalement. C'est pour ça que voilà, j'ai souvent dû déplacer mes dates de défilé les mois précédents. Ici, au moins, ce sera toujours le dernier dimanche du mois. Il n'y aura aucun problème. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le 27, bah, c'est de nouveau Donkey Kong Country, partie 11, s'il n'est pas encore fini, mais ça m'étonnerait. Et ainsi de suite, hein, vous pouvez faire l'enchaînement de la semaine d'après. Mercredi, samedi, il n'y aura rien. Vendredi, la suite de Donkey Kong, peut-être la fin. Et après, la semaine d'après, Donkey Kong, c'est toujours pas fini. Et après, on commence à mettre en place la nouvelle Node Shaming. Voilà. Pour ce qui est de ce que j'ai tourné, de ce que j'ai déjà tourné dans ce mois-ci, c'est très simple. C'est extrêmement simple. Undertale, j'ai tout fini. Voilà, je connais la fin pacifiste du jeu, je sais ce qu'il y a, donc voilà, vous pourrez spoiler, mais bon. Pour ceux qui n'ont pas vu la fin du jeu et qui veulent découvrir avec moi ou qui veulent encore découvrir par eux-mêmes, ce serait gentil de pas spoil, voilà, hein. Il faudrait pas dire par exemple que. Vous avez cru que j'allais sortir le spoil, hein, là. Non, je suis pas si stupide que ça quand même. Voilà, donc ça, j'ai tout tourné Undertale. Partie 4 de Donkey Kong Country, j'ai tourné aussi. Et c'est tout pour Donkey Kong Country. J'ai pas tourné d'autres choses. Donc, en fait, partie 5, 6, 7, 8, etc., etc., c'est encore à tourner. Je vais certainement les tourner cette semaine. Donc, si jamais vous voulez commenter pour dire des conseils, des indices, des trucs comme ça, vous pouvez le faire sur Donkey Kong Country. Vu que j'ai pas encore tourné, je vais certainement tourner à chaque fois la semaine d'avant. À moins que je prenne de l'avance cette semaine, je vais encore y réfléchir. Je vais voir. Donc voilà, si jamais vous voulez, je pourrais suivre vos commentaires sur cette série-là. Mais Undertale, bah, si vous avez des conseils ou quoi, eh bien, ils en feront profiter ceux qui regardent la vidéo et ceux qui ne savaient pas. Parce que moi, j'aurais déjà fait le jeu, donc je pourrais pas faire les trucs. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais j'ai montré certains petits trucs dans Undertale que j'avais vus ça et là. Donc voilà, mais bon, je sais qu'il y a encore plein d'autres secrets dans Undertale. Ce jeu fourmille de secrets, c'est hallucinant, il y a peut-être encore des secrets qui à ce jour n'ont toujours pas été trouvés. C'est possible ça. Du coup voilà, ça c'est pour ce que j'avais tourné. Pour en revenir au bilan du mois précédent, bon j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Écoutez, en termes de sortie de vidéo en tout cas, ça s'est bien passé. Les vidéos sont sorties à temps, il y a eu les trucs qui sont bien passés. Ah ouais, un bon mois, un bon mois. Par contre, maintenant, on va pouvoir un peu plus discuter d'autres choses. Évidemment, lorsque je vais devoir parler de où est-ce qu'ils sont passés. Voilà. Des petites annonces, des petits trucs, des petits bazars qui vont arriver. Alors, par quoi commencer? Par quoi commencer? Parce que j'ai plusieurs trucs dans ma tête. Donc voilà, on va commencer par parler simplement de Let's Discover, un nouveau concept donc de vidéo qui a vu le jour ici sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est Let's Discover? C'est très simple, il s'agit juste d'un concept de vidéo, c'est comme un Let's Play, sauf que le jeu, je le connais pas en fait, tout simplement. Voilà, c'est un concept que j'aurais dû faire à l'époque, mais pour les raisons que vous connaissez bien, je n'ai pas pu le mettre en place, du coup je le mets en place maintenant, voilà. À bien y réfléchir, Spyro 5 par exemple aurait dû se faire en Let's Discover. Voilà, ça c'est vrai, il aurait dû se faire en Let's Discover, c'était un jeu que je connaissais pas. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas que j'allais mettre en place le concept comme ça. Donc voilà. Mais bon, vu que Spyro 5 était entre deux Let's Play, on peut pardonner entre guillemets, on peut se dire voilà, écoute, c'est bon. En fait, pour Let's Discover, voilà, c'est un jeu que je connais pas. Donc c'est un jeu que je vais faire en découverte totale. Alors ça peut être un jeu dont j'ai vite fait le début, ou j'ai juste vu le début en vidéo vite fait. L'essentiel c'est que je le fasse en mode blind pour la plupart du temps, tout simplement. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour genre les 90% du jeu, voilà, ils seront en découverte, voilà, tout simplement. S'il y a 10% que j'ai déjà vu genre le début, bah c'est juste pour m'informer sur le jeu, voilà, rien de plus. Donc ça, je pense que je vais pouvoir enchaîner sur ça. Du coup, Let's Play, c'est un jeu que je connais forcément, donc il y en aura moins, enfin. Ce que je prévois de faire dans ma tête, c'est une alternance entre Let's Play et Let's Discover. Donc, comme ça, c'est simple. Il y a un Let's Play, je le finis, je fais un Let's Discover, je le finis, je fais un Let's Play, etc., etc. Les Let's Play, forcément, seront plus favorisés pour faire du 100% vu que je connais les jeux. Tandis que les Let's Discover seront peut-être moins favorisés pour du 100%, mais peut-être que je pourrais revenir sur le 100% plus tard dans un objectif 100%. Comme Donkey Kong Country ici, j'ai la très grande idée de peut-être tenter un objectif 100% dessus. Voilà, ça serait pas mal. Évidemment, objectif 100% en termes de faire les pièces de puzzle et les lettres Kong. Parce que les chronos, entre nous, les chronos, c'est pas vraiment ce que je préfère dans les jeux vidéo. Bien qu'ils soient là, c'est un plaisir, mais les chronos, j'aime pas trop ça. Dans Episcopate, par exemple, les chronos, j'aime pas. Et ils sont obligatoires pour faire les 100%. J'imagine que dans ce jeu-là, c'est pareil. Mais
Donc ce sera peut-être pas un objectif 100%, ce sera un objectif 80%. Mais bon, voilà, je pense qu'après, quand il reste que les chronos à faire, c'est juste refaire les stages vite. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que t'as tout vu. Donc j'ai encore à réfléchir, parce qu'il y a cette histoire de chrono qui me fait chier. Si c'était que les pièces de puzzle, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, il y a les chronos qui me font chier, donc faudra que j'y réfléchisse, tout simplement, voilà. Donc voilà, ça c'était pour parler des Let's Discover, donc on a tendance avec Let's Play, lorsqu'il y en a un qui est fini, j'enchaîne avec un Discover, et ainsi de suite. Ce sera un jeu que je fais en découverte, pas à 100%. Sauf exception, c'est un jeu vraiment qui m'emballe et tout, et que j'ai envie de le faire à 100%. Comme ça, hop, vas-y, on enchaîne. On est ouf. Attendez. Je vais juste devoir mettre le fil de mon chargeur. Je risque de vous arracher les oreilles. Parce que je sais que ce micro, le fil, le fameux fil du micro, il a tendance à faire des parasites. Donc attention. Après, de quoi je pourrais parler? Alors, il y a un sujet dont je voudrais bien parler. C'est Zelda. Breath of the Wild, évidemment. Breath of the Wild. Parce que. Il faut que je vous en parle. Alors, normalement, je devais vous en parler pour le point info du mois de mars. Mais je vais déjà vous le dire à l'avance pour que vous ne soyez pas trop. Trop déçus, entre guillemets. Breath of the Wild. Ce jeu, je vais le faire en let's play. En découverte, ça, c'est certain. Vous ne m'en empêcherez pas. Hein, c'est certain. Ce sera un Let's Discover, du coup, forcément, le truc. Tout à fait. Vous apprenez bien, vous apprenez vite. Ce sera un Let's Discover Breath of the Wild, vu que je le connais pas. Mais je le répète pas forcément à 100%. C'est bien. C'est bien. Mais bon, comme c'est un Zelda et comme je le connais, certainement creuser le plus possible le jeu. Histoire de fouiller, de farfouiller dedans. Tout en prenant mon temps. Donc ce sera peut-être un Let's Discover très long, vu que le jeu est très long, il paraît. Donc voilà. Mais parlons de Breath of the Wild. Je vais le faire en découverte, en Let's Discover et tout ça, mais. Déjà, un truc qui est sûr, c'est que je vais pas le faire sur Switch. La Switch, j'en ai déjà parlé sur Facebook et tout, je pense pas y revenir ici, parce que voilà. L'essentiel est dit, mais. Voilà quoi, la Switch, je la prends pas. Je la prends pas maintenant, en tout cas, je vais vous le dire direct. Je la prends pas à sa sortie. Ce serait con de la prendre à sa sortie, étant donné le peu qu'on sait. Tout simplement, voilà, je me dis ça comme ça. Donc, heureusement, Breath of the Wild n'a pas été une exclu Switch, sinon j'aurais étranglé Nintendo. Ils le sortent encore sur Wii U. Donc, Breath of the Wild, je le prends sur Wii U, et je vous ferai, donc lorsque j'aurai le jeu, je vous ferai en découverte, en Let's Discover. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais c'est génial! T'as bien calculé ton coup, petit con! Regarde! Si tu dis que Donkey Kong, il se finit en 12 parties, ça veut dire que Donkey Kong, il va se finir le 3 mars, pile le jour de la sortie du jeu. Donc la semaine d'après, t'enchaînes avec un Discover sur Breath of the Wild, tu le commences, et ça fait que tu commences tes tournages le 6 mars, soit 3 jours après la sortie du jeu, ce qui est très raisonnable. Hélas non. Hélas non, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Belgique. Et en Belgique, les jeux vidéo, le commerce et tout ça, c'est une autre dimension, voilà. Disons que le jeu vidéo n'est pas encore reconnu comme, voilà, ce qu'il devrait être reconnu. Surtout à cause de certains jeux qui handicapent le statut, voilà, de la chose. Enfin bon, ça, je m'embrouille dans mes mots. Vous avez peut-être rien compris à ce que j'ai dit, mais c'est tant mieux. Sinon, voilà, j'en aurais dit un peu beaucoup. Oui, parce que voilà, en Belgique, évidemment. C'est différent. Alors, faut déjà savoir que je n'ai pas de carte de crédit pour payer en ligne. Ma carte bancaire ne permet que de payer. Pas de payer normalement, pas payer en ligne. Voilà, tout simplement. Je sais, je dois faire partie des 2% de gens qui ont encore des cartes comme ça, mais c'est parce que je suis en Belgique, ça joue un petit peu aussi. Donc voilà, j'ai pas de carte de crédit comme ça. Donc je peux pas payer le jeu genre sur Amazon, sur je ne sais quel autre site, et sur eBay, sur voilà, sur je ne sais quoi. Je suis obligé de passer par un site de commande en magasin, et le jeu en fait, il le livre dans le magasin, et je vais le chercher, je le paye, et je repars, voilà, tout simplement. Faut savoir également qu'il n'y a pas de boutique de jeux vidéo dans la ville où j'habite. Il y en avait un à l'époque. Il y en avait d'ailleurs encore heureux qu'il y en avait un à l'époque, sinon j'aurais eu aucun jeu GameCube et PS2. Mais bon, ça c'est. Soit dit en passant, parce que tous mes jeux je les prenais là-bas, mais cette boutique de jeux vidéo, il y en avait une seule, elle a fermé il y a quelques années. Pour vous dire à quel point le jeu vidéo a du succès de mon côté. Hein. Voilà. Vous imaginez une boutique de jeux vidéo qui ferme dans la ville, tellement il y a des gens qui s'y jouent pas. C'est impressionnant.
Enfin bon, c'est impressionnant, voilà, ça me choque. Mais bon, c'est parce que je suis rétro gamer et tout ça, donc forcément que je suis plus plongé dedans que quelqu'un d'autre, donc voilà, forcément que ça peut me choquer. Mais donc, il n'y a pas de boutique de jeux vidéo. Du coup, je suis obligé de passer par un magasin où on vend tout, en fait. Que ce soit des trucs de ménage, alimentation, des jeux vidéo, du coup, il y en a. Des trucs, des fauteuils roulants, des. Je sais pas, moi, des grille-pains, des lampes, de l'électronique, enfin voilà, ils vendent un peu de tout. Et du coup, ce magasin, je devais y commander le jeu. Alors, j'ai regardé les dates de livraison du jeu dans le magasin. Pour la version Switch, eh bien, le jeu sera livré le 4 mars. Ça veut dire que c'est le lendemain de la sortie de la console, donc c'est très bien. Sur Switch, c'est parfait. Par contre, moi, la Switch, je m'en fous. Je prends de la version Wii U. La version Wii U, c'est un peu plus tard que le 4 mars. Je vais vous le dire, c'est le 7 avril. Tout à fait. Le 7 avril, plus d'un mois après la version Switch. Alors, je sais pas, je pense que Nintendo a confirmé que Breath of the Wild sur Wii U sortait le même jour que Breath of the Wild sur Switch. Peut-être que la date va diminuer, que j'allais l'avoir plus tôt. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait connaissant le magasin et voilà, connaissant le coin où j'habite et tout. Donc, il y a de fortes chances qu'après le Discover sur Donkey Kong Country, je dois faire un let's play, pas sur Zelda. En attendant que je l'aie, alors que le jeu est déjà sorti. Merci. Merci, moi, d'habiter en Belgique. Si j'avais habité, par exemple, au Québec, ça ne serait peut-être pas arrivé. Ah, les Québécois, vous avez de la chance, hein. En plus, vous aurez le jeu 6 heures avant nous, avec le décalage. Soyez heureux. Les Québécois, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, parce que je suis sûr que dans ceux qui me regardent, Micha Rengan, AB Gaming, Axel Senpai, d'autres aussi, Senkuro, je sais plus qui, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo. Je suis sûr que vous avez une boutique de jeux vidéo dans votre patelin qui va avoir le jeu le 3 mars. Lorsque vous prendrez le jeu, si vous regardez la vidéo, lorsque vous prendrez le jeu le 3 mars, que vous le déballerez, pensez un peu à moi, pensez à moi qui vais devoir attendre plus d'un mois avant de faire le jeu, de le faire en let's play. Imaginez, imaginez, imaginez. Bon, cela dit, le démarrer plus tard ne me dérange pas plus que ça. C'est pas histoire de dire, ah merde, mais je l'ai pas à sa sortie, du coup, les autres youtubeurs, la vague de youtubeurs qui vont faire le jeu, ils vont faire le jeu, ils vont le torcher et tout, et du coup, je vais avoir moins de vues, etc., etc. Non, je m'en fous de ça. C'est juste par rapport à la hype que j'ai pour le jeu, tout simplement. Je vais devoir attendre un mois en plus que les autres. Ça m'emmerde! Ça m'emmerde royalement! Donc. Vive la Belgique, évidemment. Oh, moi je suis belge une fois ici. Ah, ici, si on ne livre pas les cheveux à la sortie, il faut attendre un mois et 4 jours. Bah, c'est normal, non? Eh ben, ça, c'est comme ça la Belgique. C'est comme ça une fois. Évidemment, évidemment que c'est comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement ça me. Évidemment, si j'avais pris sur Switch, j'aurais eu un jour après, mais la Switch ne m'intéresse pas, que ce soit clair. La console ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas, pour plusieurs raisons, hein, tout simplement. Voilà. Le line-up de jeu, il n'y a que Zelda et Mario Odyssey éventuellement qui m'intéressent, mais encore Mario Odyssey, faut voir parce qu'un trailer, c'est pas assez. Et Zelda, ils sortent aussi sur Wii U, donc voilà, le choix est vite fait. Les autres jeux du line-up. Je les ai pris, regardez, voilà. Bon, ça, c'est le line-up qu'on a vu sur la conférence de la présentation et tout ça. Le jour de lancement d'Aqua, Breath of the Wild qui sort sur Wii U. Donc, forcément, que voilà, j'ai ma Wii U depuis un an, je vais pas acheter une console pour un jeu que je pourrais avoir sur la console que j'ai prise il y a un an, ce serait un peu débile. Un de Switch. Je les conseille à tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Bomberman. Je connais pas la série, donc je pourrais pas te juger. Just Dance, évidemment qu'on va prendre la Switch pour Just Dance. Just Dance Calendar, c'est pareil. En mars, dans le courant de mars, vous avez fait Sniper Clips, qui a l'air d'être un jeu intéressant, certes, mais ça pourrait être un bon jeu indé sur PC. Voilà, quoi, c'est pas digne d'être sur une console Nintendo, quoi, on va dire ça comme ça. Ayam Setsuna, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Fast AMX, un truc comme ça. Je sais que c'est genre F-Zero, mais F-Zero, pareil, j'y joue pas. Has-Been Heroes, j'ai vu en vidéo ce que ça donne, on dirait un jeu indé, une fois de plus. Le 28 avril, Mario Kart 8 Deluxe, c'est la bonne arnaque le bon Mario Kart arnaque de la Switch, évidemment. Hein, va repayer pour un jeu que t'as déjà eu sur Wii U, avec du coup
des persos en plus et un mode bataille en plus. Je pensais même qu'il y avait des circuits en plus, mais ça a été confirmé, il n'y a même pas de circuits en plus sur ce jeu. De circuits que tu peux faire, mode classique. Pour le mode arène avec les ballons, ce seront des nouveaux, des nouvelles, ce seront des arènes. Donc pas vraiment des circuits, mais ils seront nouveaux. Voilà, ça fera plaisir, mais voilà quoi. Quant à déjà la version Wii U, voilà, moi ce que je me dis en fait avec ce jeu, c'est qu'ils auraient pu très bien faire un DLC sur Mario Kart 8 sur Wii U, où ils ajoutaient le mode arène et des persos, que ça aurait été pareil. Là, c'est juste pour te dire, ouais, écoutez, on faut faire la vraie console Nintendo, là. T'as pas un jeu? Bah non, mais... Bah écoute, on pourrait prendre le Mario Kart, là, et rajouter des trucs. Je suis sûr que les gens, ils y vendent que du feu. En plus, y a quasi personne qui a acheté la Wii U, donc ça sonnera pour un nouveau jeu. Mais quelle bonne idée! Allons-y, faisons ça! Évidemment, c'était la très mauvaise imitation des gens de Nintendo. Mais voilà, ça pourrait être pareil. Ça pourrait être un DLC de Mario Kart 8 normal. Mais là, déjà ce contenu, tu ne l'auras pas sur Wii U. Donc ça justifierait un peu plus de l'acheter sur Switch, c'est vrai, encore heureux, parce que sinon, voilà, t'aurais dit, tu repayes le même jeu sur Switch, forcément, avec un online payant en plus, hein, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, maintenant, pour ceux que ça intéresse, bah voilà, mais moi, je pars du principe que si vous avez déjà une Wii U et que si vous avez déjà le jeu, pas très intéressant. Maintenant, la console, la Switch, peut être intéressante si vous n'avez pas la Wii U. Vous avez un Mario Kart... Avec tout le contenu qui est déjà fait, tous les DLC prépayés et tout ça, vous l'avez. Zelda Breath of the Wild, vous l'avez sur une meilleure console. Et en plus, vous êtes paré avec de nouveaux titres à venir. Si vous n'avez pas de Wii U, la Switch, je serais limite pour vous la conseiller. Mais si vous avez déjà une Wii U, s'il vous plaît, attendez. C'est mon conseil, attendez. Juste attendez. Alors après, dans le printemps, nous avons ARMS. Donc ça a l'air d'être un jeu sympathique, ça qui joue sur la détection avec les Joy-Con. Ça a l'air sympa. Puyo Puyo Tetris, bah Tetris forcément. En été, on a Rime, je sais pas ce que c'est, ou Rime. Splatoon 2, voilà, bon, ça peut intéresser ceux qui ont adoré le 1. En automne, vous avez Skyrim. Skyrim qui est sorti le 11 du 11 du 11, donc c'est un jeu qui date de 6 ans quand même. Et il faut encore attendre l'automne, il est même pas là au lancement. Et encore, on sait même pas ce sera quelle version. Si ça se trouve, c'est même pas la version remastered, c'est la version de base sur PS3, Xbox 360 et PC qu'il y a vu à l'époque en 2011. Qui rame en plus, parce que voilà. Si ça se trouve, ça va être ça. Hein. Attention, ne rigolez pas. Ça se peut que ce soit ça. Connaissant Nintendo, ils sont capables. Et ensuite, vers fin 2017, eh bien, nous allons avoir Mario Odyssey, le fameux dont on a vu un trailer qui également potentiellement peut m'intéresser, mais il faut que j'en attende un peu plus. Et puis la Switch, je la prendrai pas pour un jeu comme ça. Je vais attendre genre 1 ou 2 ans que la console, que les titres s'étoffent, et je vais certainement faire comme la Wii U, c'est-à-dire la prendre quasiment en fin de vie pour pouvoir bénéficier de tous les jeux dont je veux dessus. Sachant que sur Wii U, voilà, j'ai quelques petits jeux sympas. C'est vrai que j'en ai pas des masses, mais je m'amuse dessus, on va dire ça comme ça, voilà. Et dans le courant de 2017, vous avez d'autres jeux qui peuvent arriver. Xenoblade Chronicles 2, ça peut être intéressant, ceux qui ont aimé Xenoblade. C'est un bon titre. Minecraft, évidemment, hein, passe-partout. FIFA. Ah. Désolé. J'ai eu une réaction. Dragon Ball Xenoverse 2, il sort aussi sur PC, ça peut être sympathique de le voir. 10 Gaia 5, c'est ça, on dirait. Vu le titre, ça a l'air d'être un jeu de rôle, donc why not. Ultra Street Fighter 2, c'est Street Fighter 2, mais avec des. De ce que j'ai compris, des modes en plus, des persos en plus, des sprites refaits. On peut également choisir entre les sprites refaits ou les sprites originaux. Voilà. Sonic Mania, ça a l'air pas mal aussi. C'est Sonic revenu. Bah, à l'époque, c'est vraiment ce qui aurait dû être Sonic 4 à l'époque en fait, donc ça c'est bien. Steep, on dirait un jeu de rythme, et NBA 2K là, c'est un jeu de basket forcément, NBA, donc voilà, sans plus. Donc voilà, ça c'est pour le line-up, donc il m'attire pas grandement, voilà, on va dire. Autre raison pour ne pas la prendre tout de suite, c'est le prix exorbitant de la console et de ses accessoires, bien que la console soit descendue à 300, donc le prix est plus raisonnable, mais... N'oubliez pas que les accessoires, eux, en tout cas à l'époque où j'ai regardé, c'est hallucinant. La manette Pro, c'est 75€. La paire de Joy-Con, c'est 85. Le Joy-Con seul, c'est 50. Le support pour mettre tes deux Joy-Con ensemble et en faire du coup un pad classique, c'est 30€ ce support, alors que c'est un bout de plastique qui permet de clipser deux Joy-Con, c'est tout. Il y a d'autres trucs aussi de prix sur le truc, mais voilà, sans plus. Et autre raison, c'est le online payant. Bon, ça, limite, voilà, Nintendo veut faire comme la concurrence, donc c'est pas trop grave, mais
ça fait un peu chier quand même, mais bon. Moi, je m'en fous perso parce que je jouerai pas en ligne. Hein. Clairement, je joue pas en ligne sur des consoles. Je joue toujours solo quasiment. Je joue très peu en ligne. Ceux qui ont mon idée sur Wii U peuvent confirmer que je joue très peu. Déjà que je me connecte très peu pour jouer, vu que je le fais pour des tournages. Et du coup, j'ai encore moins de temps de jouer en ligne à d'autres jeux. Forcément. Voilà, c'est ça. Je joue plus en ligne lorsque c'est des genre des vacances. Vacances d'été, vacances de Pâques ou des trucs comme ça. Là, oui. Mais à part ça, voilà quoi. Mais bon, vu que le online de la Wii U va disparaître pour laisser place au-delà de la Switch, du coup les gens seront obligés de payer. Ben voilà, quoi, je jouerai plus en ligne après, ça c'est clair. Plus sur aucune console d'ailleurs, parce que tout est devenu payant maintenant. Donc voilà, c'est un peu aberrant d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque c'était gratuit, maintenant c'est payant, mais c'est normal, les gens disent rien, ouais, c'est normal. Eh ouais, toujours prêt à payer plus, le jeu vidéo moderne, le pouvoir de l'argent, n'oubliez jamais ça. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la Switch. Donc, ouais, elle m'intéresse, mais. Enfin, elle m'intéresse pas, en fait, pour l'instant. Peut-être à voir plus tard, mais. Bon, voilà. Donc, voilà, ça, c'était pour ce que j'avais à parler de la Switch. Il fallait que j'en parle, évidemment. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Évidemment, je m'attends à ce que vous soyez pas forcément d'accord. Hein. La Switch, ça se peut que vous l'attendez très fort à sortie. Mais moi, je vous dis, oui, elle peut être intéressante. Déjà, le concept est très intéressant en soi parce que c'est une console, tu peux toujours le dire, ça, qui, contrairement à la concurrence, ne se contente pas d'améliorer sa puissance. Le problème, c'est que là, Nintendo, il améliore un tout petit peu la puissance. Du coup, il y aura encore un décalage de puissance. Du coup, les joueurs récents de maintenant, ils vont dire, ouais, Nintendo, ça has been, sans savoir à chercher plus loin. Ouais, regarde, sur PS4 Pro, ça tourne à 1080p, à 60 FPS, en 4K même. Ouais, pour les gens, pour le nombre de jeux qui ont une télé 4K, c'est vrai que c'est très important d'avoir de la 4K dans les yeux. Hein. Tu la prends dans le fion, moi, je te dis. Mais bon, alors. Tout ça pour dire quoi? Ça y est, j'ai dit une niaiserie maintenant. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais? Voilà, oui, c'est ça, ouais. Donc, les gens vont encore dire, ouais, c'est une différence de puissance et tout. Alors que la console est très intéressant. Une console portable ou de salon, c'est pas tellement finalement que tu peux prendre avec toi, que tu peux mettre à ta télé, la brancher, regarder à la télé et reprendre et jouer ainsi de suite et ainsi de jouer ainsi comme ça sur ta tablette, c'est une idée très intéressante. Voilà, j'aime beaucoup le concept. C'est voilà, ça potentiellement ça a du potentiel si on ne juge pas que par la puissance, on va dire ça comme ça. Donc ça craint, on va dire ça comme ça, mais voilà, ça peut être intéressant, mais il faut attendre. Il faut attendre que le catalogue de jeux s'étoffe, attendre que peut-être les accessoires soient moins chers. Voilà quoi. L'online, bon bah je jouerai pas online, tout simplement, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Évidemment, oui, le truc de t'as un jeu NES ou Super NES gratuit pendant un mois, par contre, attention, hein, c'est de la location de jeux, mais il faut se dire que sur PS4, ils font pareil, hein, parce que lorsque tu retires ton abonnement sur PS4, tes jeux gratuits que t'as chaque mois, tu les as plus. Mais bon, là, au moins, tu les as plus d'un mois, c'est vrai. Mais voilà, au moins, sur Nintendo, ils te disent clairement, il n'y a pas de surprise, on va dire, de mauvaise surprise lorsque tu retires l'abonnement, au moins, tes jeux, si tu les as payés, bah, tu les as définitivement, tout simplement. Et puis, un mois, voilà quoi, un mois, c'est pas mal, hein. Moi, t'as le temps de faire le jeu, t'as le temps de découvrir tout ça. Et puis, connaissant Nintendo, les jeux qu'ils vont proposer, ce sera sûrement du Mario, du Zelda, des jeux multi, du coup, du Mario Kart, par exemple, imaginez du. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire du online sur les jeux qu'ils offraient comme ça, hein, sur les jeux rétro. Imaginez un online sur Mario Kart 64. Imaginez un online sur Mario Kart 64. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Imaginez un online sur. Sur Mario World par exemple, où là vous pouvez jouer à deux dans le même niveau. Bon, ça m'étonnerait parce que là ils devraient complètement modifier le jeu et je pense pas qu'ils vont se casser le cul à le faire. Imaginez un mode online. Ah bah non, c'est pas NES ou Super NES. Sinon j'allais dire un mode online sur Four Swords, Zelda Four Swords ou Four Swords Aventure. Ça aurait été énorme le mode online sur ce jeu-là. Le Zelda en coop quoi. Et en compétition aussi. Ça aurait été énorme un online sur ce jeu-là. Énorme! C'est énorme! Maintenant, c'est possible, hein, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient faire une console virtuelle pour la GameCube et tout, enfin des jeux comme ça sur la GameCube. Peut-être qu'ils vont faire des trucs mode online sur ce jeu-là. Ça pourrait être super intéressant et je trouve que ça pourrait tout défoncer. Ça donnerait un second souffle de vie à ce jeu que j'ai fait voilà, sur la chaîne à l'époque. Hein, vous l'avez vu, il est très intéressant, mais je l'ai fait tout seul. Voilà. Mais en multi, voilà. De toute façon, mon PC n'est pas assez puissant pour le faire et voilà, quoi. Ça aurait été un peu chiant. Du coup. Ça, c'était pour parler, oui, des nouveautés du mois, donc Let's Discover, nouveau concept. Le Zelda, faudra attendre. Je vais certainement devoir faire un let's play entre Donkey Kong et Zelda. Avant.
Bon, dans un sens, ça permettra de commencer le jeu après la vague de youtubeurs qui vont se précipiter sur le jeu. Hein. La vague de youtubeurs, on les attend tous. Hein. Tous vont faire le jeu, que ce soit par pure passion ou que ce soit par dire « Ouais, ça va rapporter tes vues. » Voilà. Vous pourrez, si vous êtes intelligent, vous pourrez distinguer les deux types dans la vague qui arrive. Voilà, vous pourrez distinguer normalement, sans aucun souci. Ah, la musique est finie, ça veut dire que la vidéo dure depuis 30 minutes. J'aime bien cette moyenne à chaque fois, j'aime bien cette moyenne. Donc on va vite arrêter le point info, sinon vous allez criser, vous allez dire « Ouais, ça dure encore une fois trop longtemps, mais c'est parce que je me suis excité sur la Switch, sur Zelda et tout ça. » C'est pas ma faute, ils avaient pas qu'à faire leur annonce le 13 janvier, là, ils avaient qu'à la faire plus tard, et le point info aurait été beaucoup plus court, voilà, tout simplement. Bon... Du coup, voilà, j'étais en train de parler d'autre chose aussi, et j'ai oublié. Arc. Ça fait chier. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Zelda, j'attendrai. Voilà, les vagues du youtubeur. Moi, je viendrai un peu plus tard, je le ferai de mon côté. À mon aise, le jeu, hein, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, quoi. Moi, je vous le dis, je le fais par pure passion. Hein. Honnêtement, je cherche pas les vues. De toute façon, je vous l'ai dit, voilà. Je m'en fous un peu. Et puis, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et. Si ça peut rapporter des gens, tant mieux, voilà, si ça rapporte pas de gens, bah tant pis, on est très bien comme on est ici, je vous l'ai déjà dit, vous, les gens qui regardez la communauté là, je vous apprécie beaucoup, voilà, on va dire que je suis très content de vous avoir, vous êtes une très bonne communauté, je suis fier de vous, voilà, on va dire ça comme ça, si jamais ça part trop en couille, il y a Micharingan qui est là pour gérer, mais ça part rarement en couille, donc, très rarement même, donc, voilà, ça me convient très bien, honnêtement, je suis content de la communauté que j'ai maintenant, et pour rien au monde, je ne voudrais changer de mentalité dans la communauté, tout simplement. Donc s'il y a des nouveaux gens qui viennent, il faudrait les accueillir comme il se doit. Hein, et si jamais c'est certains autres types de personnes, bah voilà quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais vu que je vais sortir après l'arrêt de YouTubeur le jeu, ça m'étonnerait que j'ai des vues là-dessus. De toute façon, c'est pas ce que je cherche. Si j'en ai, tant mieux, on verra. Mais si j'en ai pas, ça me convient très bien aussi. Donc voilà, pour finir le point info, on va parler du défi du mois qui va sortir. Donc le lien du sondage sera dans la description une fois de plus. Voilà, allez-y, cliquez dessus et votez. Vous aurez une fois de plus le choix entre trois défis. Donc ce mois-ci, vous avez choisi de faire New Super Mario Bros. U en mode neutral. Est-ce que j'ai réussi ou pas, suivant les gens. En fait, ça dépend des gens, on va dire ça comme ça, qui ont... Voilà, ça dépendra de votre perception à vous. Ce sera vous qui aurez jugé sur ça. Et du coup, vu que c'est ce défi-là qui a été choisi, je repropose pas dans la liste. Le dernier défi, c'était 4 Mario, donc je le retire de la liste aussi pour le reproposer peut-être un peu plus tard. Et on se retrouve du coup avec, une fois de plus, Luigi's Mansion, refaire le boss final. Alors sachez par contre que, histoire que le titre en deuxième position ne reste pas pendant une éternité, j'ai décidé de changer un peu les trucs. C'est que, ce mois-ci, si Luigi's Mansion finit encore deuxième, je le retire de la liste aussi. Tout simplement. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça maintenant, en fait. Si un jeu qui est en deuxième position dans le sondage, il reste pour le mois d'après. Mais après, s'il est encore deuxième, histoire de varier un peu aussi, je retire ce jeu-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça évitera de se retrouver toujours avec les mêmes possibilités de défis et tout et tout. Et voilà, quoi. Du coup, les deux autres défis que je propose ce mois-ci, c'est très simple. Alors, vous avez donc Luigi's Mansion boss final en mode bonheur caché. Vous avez aussi Découverte Mortelle sur Fantasia. Oui, le fameux jeu que j'ai demandé à Naiko de faire. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, bah regardez soit la vidéo de Joueur du Grenier, soit la vidéo de Naiko, soit la vidéo de quelqu'un d'autre qui parle du jeu pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça, ce serait, si vous connaissez pas. Si vous le connaissez, bah voilà. Si vous voulez me voir souffrir sur le jeu pendant 30-40 minutes, allez-y, je vous en prie. Libre à vous. Et le dernier défi, c'est un défi un peu spécial parce qu'il ne concerne pas les jeux vidéo. J'ai nommé ça Karaoke Disney. Alors je commence à parler un peu du nez parce que je commence à avoir un petit rhume. Donc faudra que je me mouche. Faudrait que je me mouche d'urgence. Je vais me moucher. J'ai coupé le micro. Voilà. En attendant, les droits d'auteur Nintendo auront reconnu la musique qui y passait, et du coup, j'aurai eu des droits d'auteur sur la vidéo. Merci Nintendo. Ah. D'ailleurs, pour parler des droits d'auteur Nintendo, c'est hallucinant. Donc, Kong Country Tropical Freeze, chaque vidéo, j'ai des droits d'auteur dessus Nintendo. Undertale, que dalle. Ça prouve bien la mentalité de Toby Fox qui veut pas de droits d'auteur sur ses vidéos. Hein. Clairement,
Lui, voilà, les trucs sont libres. Nintendo, attention, dès qu'il y a un moindre truc, hop, 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 ça te taxe, hein, ça te taxe, ça c'est clair. Mais bon, tant qu'ils me strike pas et tant qu'ils font pas de conneries à la vidéo, genre supprimer du son ou faire des trucs comme ça me va. Voilà, mais si jamais ils commencent à se faire des conneries comme ça, je vais pas apprécier, je vous le dis. Déjà que j'ai dû modifier une vidéo à cause sur je sais plus quel jeu, là, le jeu de rôle que j'avais fait en découverte bonus, mais que l'opening, la musique était pas passée, et du coup tout le son de la vidéo avait été supprimé. Hein, évidemment, c'est pas comme si c'était que le son de l'opening, c'était le son de toute la vidéo, hein, histoire d'heure, on va dire ça comme ça. Ouais, c'était un peu aberrant, mais bon, les droits d'auteur et tout ça, voilà, YouTube, l'évolution, tout ça, tout le monde le dit, mais voilà, quoi, ça changera pas, ça va faire qu'empirer. Hein. Donc voilà, dernier défi, c'est Karaoké Disney. Sur ce titre énigmatique, je n'ai pas grand-chose à dire. Écoutez, il parle de lui-même, du karaoké, vous pouvez savoir ce que c'est. Du Disney, voilà, dans Disney, il y a des chansons. Si jamais vous êtes intéressé de me voir faire autre chose que des jeux vidéo, je vous propose ça, mais ça m'étonnerait que ça marche. Pour tout vous dire, c'est plus un défi qui est mis là pour le troll, hein, je vais vous dire ça comme ça. Du coup, voilà, le choix va certainement être peut-être difficile pour vous, mais vous aurez le choix entre donc Découverte Mortelle Fantasia, Luigi's Mansion, Manoir cassé, tout à fait, Manoir caché, le boss final, ou Karaoké Disney. Vous avez le choix, je vous laisse voter sur le truc, je laisse le sondage pendant 3-4 jours comme d'hab, et après je prendrai le truc qui a le plus de votes. Je retire le lien du sondage pour plus qu'on puisse voter dessus, en vous remerciant ceux qui ont voté. Et je ferai le défi du coup le dernier dimanche du mois, hein, donc ce sera comme suivant le planning ici, ce sera eh bien le 28, tout simplement, voilà c'est ça, le 26, vu que je ne sais pas lire, voilà. Donc cet horaire-là également va s'afficher sur Facebook, Twitter et sur la chaîne YouTube, voilà, histoire que l'horaire change, et si jamais il change, bah, la modification sera mise sur Facebook, Twitter et YouTube également, hein. Si jamais Donkey Kong Country finit, bah du coup il faudra mettre la partie de fin et du coup... l'enchaînement des vidéos après, voilà. Si je fais un let's play dans Zelda, je sais à peu près quel jeu je vais faire, j'ai une petite idée, un jeu pas trop long, que je puisse faire genre en 9-10 parties, enfin de 8 à 10 parties, comme ça ce sera cool on va dire, ça permettra de pas sortir un mois en attendant que j'ai Zelda ou Breath of the Wild évidemment. Du coup, c'est tout pour ce point info, ça fait depuis trop longtemps qu'il a commencé, donc j'espère qu'il vous a plu, je reste là, et je vous dis donc à la prochaine fois pour la prochaine vidéo dès demain, pour la suite de Undertale, voilà la suite d'Undertale tout simplement, et en espérant que ce point info vous aura plu, portez-vous bien, n'hésitez pas à aimer, à commenter pour dire ce que vous pensez de certaines choses que j'ai pu dire, de voter pour le défi évidemment, de faire tout ce que vous voulez évidemment, voilà, et à la prochaine fois pour la prochaine vidéo, que ce soit demain pour Undertale ou bien un autre jour pour autre chose, voilà, allez, salut!